Phériger, c'est-à-dire, c'est une miraille. Alléluia. Amen. On a placé ta vie devant un mur. À chaque fois, ou qui avançait de pas, si tu avances de départ, on te fera reculer. C'est-à-dire tu es un prisonnier. Il faudrait que ce matin, toi qui es un héritier, il faut jouir. Tu dois jouir du bonheur de ton père. Pour que tu jouir, enfin, pour que tu arrives à jouir, il faut que tu aies une prison. Tu dois quitter dans cette prison. Prison, toute prison qu'on a placé ta vie. L'esprit là pour vous maintenir. Et cet esprit qui te maintient. Où chaque fois il renversé. Tu l'as déjà renversé. Maintenant tu dois sortir. Maintenant on a pas son toque. Balle va ferrezi à battre quoi t'es là na ouezo. Les ferreziers n'auront plus le pouvoir de te bloquer encore. Tu vas sortir. Où t'as toqué? Na héritage yako. Avec ton héritage. Na santé yako. Avec ta bonne santé. Na matoto yako. Avec tes enfants. Na promotion yako. Avec ta promotion. Na élévation yako. Avec ton élévation. Holy Ghost. Fire. Envoyez. Feu. Pika Nicolo, tu es en train de sortir. Je sors. Je sors de toute prison. Je sors de toute limitation. Là on a enfermé ma vie. Là on a bloqué ma destinée. Je sors au nom de Jésus. Avec mes bénédictions, avec mes finances, je sors de cette prison au nom de Jésus. Je sors de cette prison de célibat, de cette prison de pauvreté, de cette prison de chômage, de cette prison de limitation, de cette prison de blocage. Je sors au nom de Jésus. Je sors avec mes bénédictions de toute prison. Là on m'a enfermé, là on m'a bloqué. Au nom puissant de Jésus. Pika mi koro toka mo prison. Ah, tu as mouka et mal émission de mal kweke. Oui, je sors de la prison. Et je traverse les limites qu'on a placées dans ma vie. Avec tout ce qui m'appartient. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je sors. Je sors de toute prison de maladie. Là, on a placé ma santé. Je sors de toute prison de pauvreté. Là, on a prisonné mes entreprises. Je sors de toute prison. Oui, des limitations. Là, on a emprisonné mes finances. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je sors de toute prison. De la prison des malédictions. Là, on a fermé ma destinée. Je sors au nom de Jésus. Je sors de cette prison. On a pris santé Jésus. Je sors de cette prison. Je sors. Holy Ghost. Fire. Envoyé. Feu. Je déclare dans ta vie. Amen, je reçois. Prépare-toi pour bien recevoir. Je déclare dans ta vie. Amen, je reçois. À partir d'aujourd'hui. Amen, je reçois. Sous l'onction de mon père. Amen, je reçois. Le prophète Christian Jacob. Amen, je reçois. Minato Shamaï Shayako. Amen, je reçois. Mon serviteur doit être indépendant. Amen, je reçois. Minato Shamaï Shayako. Amen, je reçois. Mou les prisons yote ya boulos. Amen, je reçois. Mou les marifungiaka. Amen, je reçois. Pour que vous aussi jouir. Amen, je reçois. N'a pas l'air yako. Amen, je reçois. Là où maïsha yako est tokemo. Amen, je reçois. Maïsha yako est tokemo. Amen, je reçois. Je déclare encore. Amen, je reçois. À partir de maintenant. Amen, je reçois. Patoto yako eh. Amen, je reçois. Bwana yako. Amen, je reçois. Mina mutosa mu prison ya malade. Amen, je reçois. Mina sema toka mu prison ya malade. Amen, je reçois. Toka prison ya malade. Amen, je reçois. Toka prison ya malade. Amen. Je reçois. Amen, je reçois. Avant la couille de héritage. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Avant la couille de héritage. Amen, je reçois. Entre en possession de ton héritage. Amen, je reçois. Il y a en possession de mariage. Amen, je reçois. Je déclare dans ta vie. Amen, je reçois. Toi qui étais privé de ton héritage. Amen, je reçois. Voici le chemin de ton héritage. Amen, je reçois.
Voici le chemin de ton héritage. Amen, je reçois. Entre en possession de tes enfants. Amen, je reçois. Entre en possession de ton travail. Amen, je reçois. Entre en possession de tes finances. Amen, je reçois. Entre en possession de tes finances. Amen, je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pika mikono na bikele kele Dieu a gloire en ce. Glory. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu ami bariki. Laisse-moi vous parler un peu. Acha ni msimeze kidogo. Dans quelques minutes. Uma dakika tu kidogo. Nous allons retourner encore dans la prière. Tutarudia tena ndani ya maombi. Je bénis Dieu. Na bariki Mungu. Pour cet amour. Kwa hiyo mapendo. Et pour le souffle de vie. Na pumzi ya uhai. Tu m'as donné. Ananipewa. De se retrouver encore devant vous. Ya kujikuta tena mbele yenu. Je ne peux pas oublier. Siwezi kabisa kusahau. De rendre aussi grâce à mon père. Ya kupikia asante tena baba. Le prophète Christian Jacob Kanamba. Nabii Christian Jacob. Pour cette marque de confiance. Kwa hiyo alama ya tumaini. Qu'il fait chaque fois. Anafanya wakati wote. Et chaque instant. Na wakati wote. Afin que nous soyons aussi. Digne et vrai serviteur de Dieu. Ah, que son Dieu le bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut bénir? On peut acclamer pour notre Père. Alléluia. Amen. Je dis aussi merci à vous. Le peuple élu de Dieu. Votre sacrifice. Votre amour, votre attachement à Christ, chaque fois, vous êtes dans la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui vous a appelé en ce lieu. Qu'il fasse entrer chacun de vous. Et qui bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, je reçois. Voilà. Zama. C'est l'héritier. Alléluia. Amen. Quand on parle d'un héritier, c'est celui qui reçoit un pied par la voie de succession. C'est lui qui reçoit un pied par la voie de succession. C'est-à-dire Baba Ranzaka Kutumika. C'est-à-dire le papa était en train de travailler. Il a beaucoup travaillé. Anatumika sana. Il a investi. Na akapoka makuta. Après il est mort. Na kisha kakufa. Il avait laissé ses enfants. Aliachaka watoto wake. Ses enfants qu'il a laissés. Na watoto wale aliacha. Ont droit d'héritier. Banakuwa na mapasha kuweza kurithi. Le fruit du travail de leur père. Ile matunda ya kazi ya baba yabo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre toujours notre texte de base et nous allons aussi ajouter ce Luc 15 tout en geza Lucas sura 15 verset 11 à 12 mustari ya 11 mpaka 12. Nous allons aussi prendre Esaïe 9 tout abeba kitabu ke Isaïe sura ke le verset 6 na mustari wa 6. On peut nous lire le seul moi ta main Esaïe pour honorer la parole de Dieu. Esaïe 9, le verset 6. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur ses épaules. Vous pouvez vous arrêter là-bas, papa. Amen. Vous pouvez aussi prendre Luc 15, verset. Luc chapitre 15, verset 11 à 12, rapidement. Luc 15, 11 à 12. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore. Il dit encore. Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père. Mon père. Mon père. Donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. Qui doit me revenir. Le père leur partagea son bien. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Alléluia. Amen. Un héritier. Il reçoit. Anapokeaka. Un bien. Kitu. Par la voie de succession.
Son père a travaillé. Na baba kelezo kutumika. Son père après avoir mourir. Na kisha kufa kwake. Le droit revient à l'héritier. Na yoma pasha narudia kwa mrithi. Pour succéder. Jua aweze kukomboa. Le bien laissé par son père. Bitu bile baba yake aliweza kuacha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le père c'est qui? Na baba ni nani? Le père c'est notre père céleste. Na baba ni baba wetu wa mbingu. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. Dieu l'a travaillé. Mungu akatumika. Après avoir travaillé. Kisha kutumika. Après avoir créé toutes choses. Kisha kuumba vitu vyote. Alléluia. Amina. Les choses qui existent. Na bila vitu biku naishi. Même ce qui ne voit pas. Na bila bone na macho. Il a fallu. Il faille. Nous créer aussi. Atu na tipia. Il a dit en Genèse. Anasema mumwanzo. Créons l'homme. Tuumbe mutu. À notre image. Kwa mfano wetu. Selon notre ressemblance. Na picha yetu. Afin qu'il domine. Na apate kutawala. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Notre père. Na baba yetu. Tout en étant responsable. Vile mwenye anakuwa mwenye madaraka. Il ne fallait pas. Haikufai. Après avoir créé toutes choses. Kisha kuumba vitu vyote. Et laisser ces choses. Na kuacha vile vitu. Sans celui qui va dominer. Bila ule ataweza kuitawala. Sans celui qui va garder ça. Kuna ule ataweza kubichunga. Il fallait aussi nous créer. Alipaswa tena tuumbe sisi. Alléluia. Amina. Il nous a créé. Alituumba. En tant que ses héritiers. Kama vile warithi wake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Pour que juu ya kwamba héritage yetu urithi wetu ingie en vigueur que entre en vigueur puis posséder que nous le possédions. Il a fallu que notre Dieu il faille Mungu wetu puisse prendre apasse kubeba la forme humaine mwili wa watu akuya kufu il vient mourir c'est à travers sa mort na kupitia kifo chake et sa résurrection na ufufuko wake héritage yetu ingie en vigueur que notre héritage est entré en vigueur. Alléluia. Alléluia. Amen. Wakati héritage yako. Le moment où ton héritage il est en vigueur. Est entré en vigueur. Ah, on a droit tena na mateso. Tu ne seras plus dans la souffrance. Ah, on a le droit tena mutu akukombanisha. Tu n'as pas le droit d'être combattu par toi. Kuzala na kwa droit yako. Kupata makuta na kwa droit yako. Avoir l'argent c'est ton droit. Kutumika kazi na kwa droit. Travailler c'est ton droit. Kuvoyager na kwa droit yako. Voyager c'est aussi ton droit. Pourquoi? Sababu ya nini? Parce que kwa sababu ton père baba yako était déjà mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'héritage uriti entre en vigueur. Inaingia katika après la mort. Kisha kifo. La mort du père. Kifo kia baba mzazi. Kama baba yetu asikufati. Si notre père n'était pas mort. Kama leo. Si aujourd'hui. Aturite ke tukuba héritier. Nous ne devons pas nous appeler comme des. Alléluia. Amen. Vile Yesu alikufa. Comme Christ était mort. Dieu yako wewe. À cause de toi. Hakuna tena. Il n'y a rien encore. Il est loi. Loi. Il t'a condamné maisha ya. Il t'a encore condamné ta vie. Akula tena bulonja ata bumoyo. Pas une sorte. Pour ta quoi péché wey. Peut t'empêcher toi. Wengi en possession. Possession. Na kaji ya. Ton papa est-ce que vous pouvez changer le micro? Jésus. On nous a parlé. On est tous aimés ya. Depuis le dimanche. Tangu mujuma. Maintenant comment? Namna kani? Entrer en possession. Kuingia katika kushika. De notre héritage. Na urithi wetu. Hallelujah. Amina. C'est là où il y a un grand problème. Ndio pale panakuwa mambo mnene. Comment entrer en possession? Namna kani tunaweza kuingia mkushika urithi wetu? On nous a parlé hier que. Bari tusemezea jana. Premièrement. Kitu kia kwanza. Pour entrer en possession de ton héritage. Ndio pale kuingia mkushika urithi wako. Il faut d'abord que tu deviennes grand. Una pasha kwanza ukomale. Il faut que tu deviennes grand. Una pasha ukomale. Un grand. Mtu mkubwa. C'est celui qui comprend. Ni ule kunaelewa. Le principe. Iyo makanuni. Et les lois spirituelles. Na matorati ya kiroho. Sinon comme on a bébé héritage. Si tu prends ton héritage. On est parti à quoi mutoto. Tu donnes à un enfant. A te gaspiller boule. Il va lapider cela. Mukubwa, une grande personne, anajua ke, il sait que héritage mina sasa. Cet
héritage que j'ai mon père a beaucoup souffert. Je ne peux pas les gaspiller. Je ne peux même pas détruire les sacrifices de mon père. Que je détruis cet héritage. Il connaît comment est-ce qu'il va protéger cet héritage. C'est pourquoi la Bible déclare. Je commande la Bible dans ses mains. En Esaïe. Nous quittons que Esaïe. Chapitre 9. Na sura kekel. Le verset 6. Moustarwa sita. Un enfant nous aide. Moutoto mesaliwa. Mais un fils nous aide. Na moutoto na topewa. C'est pas lui. Ni kupitia yeye. Ou la domination. Ou tawala wote. Reposera sur ses épaules. Ita ekapa mabeka yake. Il faut devenir. Il n'a pas chaud couille. Un fils. Moana. Pour que. Dieu. Ou pas de l'héritage pour la tafuta. Que tu reçois l'héritage que tu es en train de chercher. Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Ou jurise soali. Es-tu déjà gras? Non, est-ce que on est chaud comme là? Es-tu déjà gras? Ou comme un musulman? Pour que mon moi coupati. Afin que Dieu te donne. Il héritage pour la tafuta. Cet héritage que tu cherches. Est-ce que tu respectes? Où qu'on a échimia? Les lois de Dieu? Iyo matorati ya Mungu. Or quand je lis la Bible. Na wakati nikisoma Biblia. La Bible nous dit ceci. Na Biblia inatuambia hivi. Dans le testament de Dieu. Muyo testament ya Mungu. Il y a tout ce que nous cherchons. Muko biote bile tukunatafuta. Dieu dit. Mungu anasema. Toutes choses. Vitu vyote. Concours. Binaenda. Au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Kuvizuri ya bale bote banampenda Mungu. Les lois de Dieu obligent. Matorati ya Mungu inalazimisha. De même Dieu. Ya kumupenda Mungu. Et lui seul. Na yeye peke. De l'adorer comme il faut. Na kumwabudu kama anavyostahili. Est-ce que, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Pour qu'il te donne ses biens. Est-ce que tu considères vraiment ton Dieu? Dieu est qui devant toi? Toutes choses concourent au bien de ceux-là qui aiment. Vitu vyote vikuna saidia kwa wale wote wanaompenda Mungu. Tant que le rituel. Kama vile muriti. Il est encore un enfant. Eko mutoto. Tu n'auras rien. Il faut que tu aies fils. Il faudrait que tu sois un fils. Il faut comer. Il faut grandir. Que tu quittes dans cette histoire de père Michel. Les histoires des bébés spirituels. Tu dois voir les choses. On n'a pas ça qu'on habite mon âme n'engine. Aujourd'hui, si tu ne reçois pas, je sais que Dieu va me donner. Aujourd'hui, si je ne travaille pas, je sais que dans le testament de Dieu, mon travail c'est aussi mon droit. Aujourd'hui, si je n'ai pas d'enfant, on a sema mon enolake, mon nyumba yango, amuta kwa mwanamke mtasa, hata ule wa kupa mwana mimba. Ni kusema mimi, mina pasha nyambatane kuyo torati ya Mungu. J'enfanterai toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut s'attacher aux lois de Dieu. On a pas sa kuambatana na matorati ya Mungu. Na kitu kia pili. Pour héritier. Juu pate kuriti. Ton héritage. Uriti wako. On nous a dit aussi que. Bali tuambia ya kwamba. Il faut avoir. Ina kupasha ukuye. Il faut avoir. On a pas sa ukuye. La conscience. Na zamiri. De son identité. Ya kitambulisho kiako. Est-ce que tu connais bien ton identité? Unajua kabisa kitambulisho kiako. Es-tu fils de Dieu? Est-ce que tu es mwana wa Mungu? Ou bien fils du diable? Au mwana wa shetani. Combien de gens parmi nous? Watu ngapi katikati yetu? Abandonne la voie de Dieu. Banaacha njia ya Mungu. Il emprunte. Banabeba la voie du diable. Njia ya shetani. Mon doit comme kila chic. Quelqu'un qui priait chaque jour. Mon doit akuya mu présence ya Mungu. Quelqu'un qui était chaque fois dans la présence de Dieu. Il consomme même l'onction. Anatoka. Il quitte. Anenda mukanja kamufupi. Il va dans un chemin court. Il va chercher d'autres solutions. Il dit que celui-là, il guérisse par des racines. Il oublie même son identité. Il oublie que Dieu à qui il s'est attaché devant lui.
il y a son héritage. Et son héritage, lui, il a dit que alisema ya kwamba je souhaite ninatamani upate kustawi na matua yote kama vile roho yako inaanza kuendelea. Mie mimi napenda nimkumbushe, nitamkumbusha tenge ndani ya maombi jio nipate kumkumbusha kama urithi wangu inakuwa sio njema. Ingawa hiyo magonjwa mimi najua kama hiyo magonjwa haitaniua kamwe, hii magonjwa haitanipeleka kukifo, hii magonjwa ni njiu utukufu wa Mungu upate kupasuka. Je n'irai pas à gauche, je n'irai même pas à droite, je resterai mes pieds dans Dieu, je resterai attaché combattant à mon Dieu. Alléluia. Amen. As-tu conscience na hiyo zamiri de ton identité? Unisha chukua zamiri ya kitambulisho kyako. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Mupendwa una mtu wowote. Kula unakimbiriaka. Là où tu cours. Tu es à kutafuta solution. Afin de chercher des solutions. Beko chini yako. Ils sont sous toi. Ukulenda kuirishusha bule. Tu es en train de te rabaisser pour rien. Reste enseigné. Bakia pali hapa. Reste enseigné. Bakia pali hapa. Fungula zamiri yako. Ouvre ton intelligence. Komea. Grandisse. Oyo Mungu. C'est Dieu-ci. Ah, il te donnera ce que tu cherches. Ah, il te donnera ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Je vais ajouter ce matin. Mina pena ce masubui. Un autre point. Nitaongeza ingine nukta. Un véritable héritier. Muriti wa kweli. Il doit être caractérisé. Anapasa kuonekana. Par le fruit. Kuyo matunda. De la patience. Ya uvumilivu. Et tu patient. Et tu la patience. Se définit comme une vertu. Ina tatuliwa kama vile. Qui fait supporter. Ina penda mtu ati les adversités. Ilo m'invita. Les douleurs. Maumivu. Les injures. Na matukano. La tranquillité. Na ule upole. La patience. Uvumilivu. C'est aussi la tranquillité. Inakuwa ile utulivu. Le calme. Ile kimya. Le sang-froid. Na ile kuwa na zamiri. Avec. Ivi. Avec. Pamoya. Lequel on attend ce qui tarde à venir. Na tukuna chunga kile kinakawia kufika. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Un bon héritier. Ule muriti wa kweli. Doit être patient. Anapaswa kuwa mvumilivu. Il doit être patient. Anapaswa kuwa mvumilivu. Kama unakosa utifu. Si tu manques la patience. Uvumilivu. Kama unakosa uvumilivu. Si tu manques la patience. Utenda kuwa baba yako. Tu vas tuer ton père. Pour que wende uhériter le nyumba yako. Afin d'hériter sa maison. C'est ce que nous voyons ici. Par manque de patience. Par manque de patience. Anangalia vie na kuwa nguvu. Il voit que la vie est devenue difficile. Anaanza kutamania. Il commence à envier. Bitu ya baba yako. Le bien de son père. Baba yako angaliki mujibu. Son père est encore vivant. Anaenda kumbambia dawa. Il est en train de toucher au fétiche. Pour tuer son père. Pour que amour. Enfin, il est en train de toucher au fétiche. Pour tuer son père. Pour que amour. Afin de tuer son père pour qu'il hérite sa maison, pour qu'il hérite sa voiture. La loi de Dieu dit ceci. Pour hériter kuriti, il faut que le père il pas baba, il faut accoucher. Alléluia. Amina. Il faut avoir una pasha ukuye, le fruit. Il est matunda de la patience. Ya uvumilivu. C'est pourquoi la Bible déclare. Na Biblia inasema. On reconnaît bon arbre. Banajua kamuti mzuri. Par ses fruits. Kupitia matunda yake. Ni kupitia matunda. Si à travers ses fruits. Utakujua ke une héritier wa bia kweli. Qu'on dira que ça c'est lui est un véritable. Ça c'est un faux héritier. Ula mtu ula nekalaka pasi. C'est lui qui reste patient. Héritier wa bia kweli. Le véritable héritier. Utamona. Tu le verras. Hata kama bila kawia kumpisha. Même si ça traîne à la cuisine. Il sait que ma part est là toujours. J'aurai le temps de manger. Même si ma main va garder pour moi. Je vais trouver, je vais manger. Il n'est même pas agité. Il n'est même pas agité. Il est là, très calme. Et il
est tranquille et assis. C'est lui qui est assis. C'est quelqu'un qui attend. Ni ule anachungaka. Recevoir quelque chose. Na kupokea kitu kimoja. Recevoir quelque chose. Kupokea kitu kimoja. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il sait que ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Je l'aurai à tout prix. Même si ça traîne, moi je l'attendrai. Réveillez les rois. C'est l'héritage que Dieu m'a donné. Que Dieu m'a donné. Même si on ne me prophétise pas, à traîner, je n'ai pas encore vu cela. Mais ce que je sais, Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un homme. Ça va arriver toujours. Ça arrivera toujours. C'est pourquoi il a dit. Je commande à l'ISEM. Habakkuk. Chapitre 2. Moussoura qui a pris. Il a dit que Christ était prophète. Anasema andika hiyo matabiri hata kama inakawia wewe uyachunge paka ukuwa mvumilivu kwa sababu itatimizika paka kwa kweli. Je suis en train de te dire mama, je suis en train de te dire mama, ton héritage à toi n'est pas loin de toi, ton mariage n'est pas loin de toi, ton travail à toi n'est pas loin de toi, tes enfants que tu cherches ne sont pas loin de toi. Toi reste toujours patiente dans cette église. Toi reste toujours. Tu es en train d'écouter les enseignements dans la présence de Dieu. Tout ce que tu es en train, tout ce que Dieu t'a promis, tu l'auras. Tu l'auras. La guérison, tu l'auras. Je déclare déjà aujourd'hui. Tout celui qui était malade. Tout celui qui était malade. J'ai dit ton moment, le moment de ta guérison est arrivé. Le moment de ta guérison. Le moment de ta délivrance. Le moment là. Tu dois hériter. Ton travail est arrivé aujourd'hui. Est arrivé aujourd'hui. Il ne faut plus pleurer. Il faut plus se lamenter. Le Dieu du prophète Christian Jacob. Il est ensemble avec toi. Il est ensemble avec tes enfants. Il est ensemble avec ta maison. Jésus Christ. Jésus Christ. Voilà. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Et tu n'as encore pika mikono. Tu es mon goût. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Et tu n'as Holy Ghost. Fire. Alléluia. Amen. Tu vas dire à Dieu. Uta sema na Mungu. Accordez-moi. Unipatie. L'esprit de la patience. Il est roi ya uvumilivu. Enfin. Ivi. De recevoir. Nipate kupokea. Mon héritage. Uriti wangu. Mungu ni accordé. Dieu accorde-moi cet esprit de patience, cet esprit de patience, que mon cœur ne se trouble point, que je reste sur place, jusqu'à ce que tu as dit s'accomplira dans ma vie, que je ne sois plus emporté avec un esprit de sorcellerie, que Dieu puisse t'accorder l'esprit de patience. La patience est aussi ton héritage. Si tu n'es plus patient dans ta vie, tu vas abandonner ta bénédiction ici. Tu te retrouves mal. Que Dieu te donne cet esprit de patience. Combien ont abandonné leur fiancé? Ces fiancés-là qui devaient te faire entrer dans ta destinée. Parce que tu as manqué la patience. Il a traîné pour ne plus avoir le travail. Tu as fui ton fiancé. Après que tu es parti, il a trouvé un travail de 10 000 dollars. Tu commences maintenant à raisonner. Que Dieu te salue. Au nom de Jésus. La haute Saint-Père. Yahweh Seigneur. Je veux voir ce matin que tu m'accordes. C'est
Accorde-moi l'esprit. Accorde-moi ce fruit de l'esprit qui est la patience. Accorde-moi la patience ce matin. Afin que tu sois plus troublé. Je veux de mon Père. J'ai besoin de ce fruit de patience. Je veux être plus patient. Comme Job qui a été patient jusqu'à la fin. Oh, car que l'esprit soit en moi ce matin. Oh Dieu de grâce, accorde-moi le fruit de l'esprit. Que ce fruit de l'esprit soit mon partage ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi, je t'en supplie, le fruit de l'esprit, tu es la patience. Je vais être patient en toi pour tout, comme ton fils. On dit que le cultivateur reste patient. Il attend la première pluie jusqu'au dernier fruit. Afin d'arriver à récolter. Moi aussi, j'ai besoin de ce fruit. Le fruit qui est la patience. Au nom de Jésus. Jésus. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Mungu asifiwe sana. Tu es un héritier, tu es une héritière. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Pasteur Anasema, tu n'as pas taillé héritage yetu. Ni à partir ya kifo kya Yesu Christ. Alléluia. Ni kulenjo tu n'as pas ta uriti muzuri. C'est de là que nous avons notre héritage. Mais 1 Pierre chapitre 1 le verset 18. Ana tuambi ya hivi. Il nous dit ceci. Anasema, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, hériter de nos pères. Alléluia. Kumbele chéye, wen ami, tu rikwa ba héritier. Il y a bintu bibaye, dans ya dunia yi. Dans ce monde, héritier, il y a polygamie. Tu rikwa ba héritier, il y a colère. Tu rikwa ba héritier, il y a échec. Il y a malédiction. Il est rien à kutoka. Mon famille à bababa yetu. Il est rien à kutoka. Mon famille à bamama yetu. Mais par la mort de Jésus-Christ, tu n'as quoi kweri. Tu n'as pas d'héritage. Il y a bia kweri. Il y a kungambo ya Mungu. Alléluia. Pale tu n'as quoi ça ça. Ba héritier, il y a bénédiction, il y a gloire, il y a kaji, il y a succès, il y a élévation, il y a maternité, il y a bonne santé, il y a finance. Tu n'as pas ta héritage ya muzuri. Alléluia. Tika kwanza mikono juu ya kifo kya Yesu Christ. Tu vas refuser. Ou t'as rejeté. Tout mauvais héritage. Il est hérité. Kungambo ya bazazi yako. Kungambo ya baba. Kungambo ya mama. Tout mauvais héritage. Il est hérité. Et tu as hérité. Ou hérité nini. Tu as hérité quoi? Colère. C'est la colère. Ou hérité nini. Tu as hérité quoi? Polygamie. La polygamie. Ou hérité nini. Tu as hérité quoi? Échec. Les échecs. Angara mu famille. Regarde dans ta famille. Bantu bote banashindwa kapata. Tout le monde a échoué. Angara mu famille. Regarde dans ta famille. Bantu bote bazali. Tout le monde n'aimait pas. Angara mu famille. Regarde dans votre famille. Muko lwa moye. Il est chaque milimité. Vous avez déjà limité. Joy l'héritage. C'est cet héritage. Moi bote. Tout le monde. Muri bebaye. Vous avez hérité. Mina penda busubui bwale. Ce matin. Ou qu'on a refusé. Tu vas refuser. Ou qu'on a rejeté. Tu rejettes. Il est
mauvais héritage. Il est en hérité. Kuba baba yak. Kuba mama yak. Pika mikono tombe au nom de Jésus. Omba dilo au nom de Jésus. Pika mikono omba au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je refuse et je rejette tout mauvais héritage. Je refuse au nom de Jésus. Kakwena uri mukutambaleza Kakwena uri mukutamba 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 Akuna mungu kama wewe. Holy Ghost, envoyé. Très bien, comme tu as pris la conscience de bien prier. Nous sommes encore au début de la semaine. Nous sommes pas distraits. Alléluia. Amen. La Bible déclare aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Amen. L'enfant a sa nature. C'est la peur. C'est être intimidé. À chaque fois, toi tu as toujours la peur en toi, la peur d'entreprendre, la peur de se remarier, la peur d'avancer, la peur de se réorganiser. C'est ce que Satan, l'ennemi, a mis en toi pour t'empêcher d'hériter les bonnes choses. Alléluia. Amen. Il y a la peur en toi. Quand tu te souviens
Si l'origine doit mal à quoi, si le membre est en délai, si le repas ta déception, maintenant on a quoi en apoc, tu t'es dit en toi, tu as pour reprendre, tu as pour refaire, tu as pour avancer, tu as pour recommencer. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Mais toi, tu es un héritier, tu dois hériter. Il y a cette force-là. Car la Bible déclare, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. L'esprit de timidité. Mais nous avons reçu l'esprit de force qui crie Abba Père. Alléluia. Je vous tu vas briser. Il est esprit et autre. Tout esprit. Il y a peur, peurs, il y a intimidation. Intimidation. Il est ennemi. Quel ennemi? Satan. Satan. En a quoi imposé? A imposé dans ta vie. Alléluia. Amen. On t'a imposé cette vie de peur. Il est tu ne sais pas entreprendre. Maintenant tu vas briser. On a servi quoi héritier. Il a brisé. Je brise. Esprit au tabac. Esprit au intimidation. Il est bâché quoi candania. Il n'a ni empêché. Il m'empêche. Mais pour reprendre. Que je puisse reprendre. Mais pour refaire. Que je refais. Mais pour recommencer. Que je recommence. Mais pour remonter. Que je remonte. Puis comme il connaît. Tu as besoin de l'autre chose. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna.